Match sans enjeu entre Caen 15e et Evian-Tournon-Gaillard 18e. Des Evianais qui sont certains d'être relégués en Ligue 2 à l'issue de la saison. Caen va vouloir faire plaisir à son public à domicile. Nangis est suspendu. Yaya, Sad, Moussavou King sont blessés. Benezé ne joue pas en accord avec Evian-Tournon-Gaillard car il est prêté par le club au Savoyard. C'est également le cas pour Duhamel dans l'attaque d'Evian, prêté par Caen. Il ne joue pas cette rencontre. Evian-Tournon-Gaillard reste sur 4 défaites consécutives, mais essaye d'ouvrir le score. Ça n'est pas si loin. Belle parade de Rémi Vercoutre. Le match est relativement équilibré en première période et 0-0 à la pause. Caen n'est que la 19e équipe du championnat à domicile. Les Bas-Normands veulent absolument s'imposer, mais il n'y a eu qu'une victoire sur les 6 derniers matchs. Suffisante pour obtenir le maintien. Mais ce n'est pas encore la fête totale au stade Michel Dornano. En seconde période, les joueurs locaux veulent en faire beaucoup plus, et c'est le cas. Beaucoup plus d'allant, d'enthousiasme, avec une belle possibilité sur ce centre en retrait et cette frappe d'Hervé Basile. Il a fallu attendre l'heure de jeu pour que le match se débloque. 6e but de la saison pour Basile, bien servi par Emiliano Sala. Et voilà comment le stade Malherbe de Caen mène 1-0. Evian-Tournon-Gaillard a beaucoup d'absents. Abdallah et Mensah sont suspendus. Mongangu, Sabali, Kone, Ninkovic et Nunke sont absents. Et le match se complique pour Evian-Tournon-Gaillard car Caen insiste et réussit à mener 2-0 à la 66e minute. Et c'est le malheureux Modou Sougou qui touche le ballon en dernier. L'attaquant sénégalais dévie ce ballon et trompe son propre gardien, Benjamin Leroy. Caen est en train de se détacher dans ce match et s'envole peut-être définitivement avec Hervé Basile qui réussit un petit ballon piqué formidable au-dessus de Leroy pour porter le score à 3-0 à la 68e minute. 3 buts en 8 minutes pour les Canets, c'est une performance. 7e but de la saison pour Hervé Basile qui s'offre son premier doublé en Ligue 1. Il est parfaitement servi par Lemar et s'en va tromper Leroy. 3-0, le score est lourd. Caen se dirige vers une victoire certaine. Attention tout de même à ce genre de balle dans l'axe. Récupération pour Olivier Sorlin qui s'en va tromper Rémi Vercoutre. Intervention ratée du gardien Canet et Sorlin en profite pour marquer son premier but de la saison à la 86e minute. Un peu de baume au cœur pour Evian-Tournon-Gaillard qui décide de continuer à attaquer et qui réussit à réduire encore plus l'écart grâce à Modou Sougou qui a marqué contre son camp mais qui cette fois-ci marque dans le bon but dans les arrêts de jeu de la rencontre. C'est son 2e but de la saison, bien servi par Gilles Sunu. Evian-Tournon-Gaillard qui ne réussira pas à égaliser. Caen maintient sa courte avance. Victoire des Canets 3-2. Caen termine le championnat à la 13e place, Evian-Tournon-Gaillard est 18e et jouera la saison prochaine en Ligue 2.